Zodwa Wabantu, de son vrai nom Zodwa Rebecca Libram, est une danseuse, mondaine et une personnalité médiatique sud-africaine, née le 30 octobre 1985 à Dlamini, Soweto. Wabantu fait les vagues en se produisant sans porter la culotte. En 2017, elle a été interdite à se produire au Zimbabwe en raison de la nature de ses performances. Un an après, elle se fait expulser de la Zambie pour de raisons similaires. Cette série d'interdictions de production de Wabantu se poursuit, et autour Malawi en juin 2022 d'interdire à l'artiste sud-africaine d'entrer au pays et s'y produire. Zodwa suscite des discussions parce qu'elle se produit sans culotte. En 2017, elle a été interdite de se produire au Zimbabwe en raison de la nature de ses prestations. Moins d'un an plus tard, c'est-à-dire en 2018, Wabantu a été expulsée de Zambie pour des raisons similaires. Son spectacle a été annulé parce qu'elle danse sans sous-vêtements. Alors qu'elle a l'habitude de s'offrir les hommes qu'elle voulait dans son lit, la Sud-Africaine Zodwa Wabantu a déclaré cette semaine qu'elle avait besoin d'un homme. Zodwa Wabantu, la reine du sexy show, serait-elle, déjà, fatiguée? À en croire les propos qu'elle a tenus cette semaine, on dirait que la danseuse sud-africaine la plus hard commence à ressentir un gros manque dans sa vie. Danseuse et femme d'affaires, cette femme, qui ne porte presque jamais de slip, est connue pour ses spectacles très osés. Ainsi que pour ses sorties sulfureuses sur les réseaux sociaux où elle s'affiche parfois avec ses partenaires sexuels. J'espère que vous avez apprécié cette merveilleuse vidéo. Cliquez sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas d'aimer.